Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une petite vidéo, aujourd'hui les amis pour le troisième épisode de Jusqu'au bout du pass, c'était ça le titre, je sais plus. Bref, on s'en fout les gars, aujourd'hui je tourne en fait les trois épisodes à la suite en live sur YouTube. Pour ceux qui se demandent, c'est pour ça que je suis toujours habillé pareil. Bref, on se retrouve du coup aujourd'hui pour notre troisième épisode. Dans le dernier épisode, on s'était laissé au palier 10 avec 540 points. Et aujourd'hui les amis, on va essayer d'augmenter un petit peu nos paliers. Je pense que ça va être un épisode qui va être un petit peu plus court que les autres peut-être, parce qu'on vient de tourner quand même deux épisodes à la suite. On est un peu fatigué, mais bon, aujourd'hui les amis, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de terminer notre défi de gagner 15 étoiles en combat multijoueur en utilisant 6 dragons. Il ne manque plus que 5 étoiles à faire, ce qui est largement faisable. Si on se chauffe, on va également faire celui-là. Ça serait top qu'on arrive à finir celui-là. Et après, on va également faire celui-là. Donc, on va essayer de faire 3 défis dans cette vidéo. Après, pour les prochains épisodes, on fera des attaques au cochon. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît toujours. Moi, je vous fais de gros bisous et on commence. Let's go. Ok, du coup, on va directement faire une petite attaque MDO, les amis. Là où c'est cool, c'est que comparé aux épisodes d'avant, on n'est plus obligé, on n'a plus la contrainte d'utiliser des géants. Là, on peut vraiment utiliser ce qu'on veut. Donc là, vous allez voir, en fait, un full archer à ce niveau-là. C'est juste trop fort. Parce que vraiment, en fait, on a juste à mettre 3-4 archers sur chaque def. Et là, ça se fait tout seul. Vous allez voir, c'est abusé. Hop, voilà, il y a toutes les défenses qui sont pétées. Et là, du coup, le perfect, il se fait là, clairement. J'aurais même pu faire un truc plus rentable. Je pense que je mettais 3 archers. Ça suffisait. Évidemment, j'en ai mis 4 et tout. Mais bref. Vraiment, cette compo, le full archer, c'est juste abusé à ce niveau-là, c'est vraiment top. Du coup, hop, le petit perf qui se fait, les petites étoiles qui montent sur le pass de combat, et donc ça, c'est top. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement enchaîner sur une petite attaque au dragon, les amis. Ok, donc là, ce qui serait top, c'est comment ça s'appelle? D'arriver encore une fois à trouver... What the fuck, le loot! Wouah! Bon, j'allais dire, faut trouver une base où on est obligé de faire un 3 étoiles. Mais là, au pire, les gars, c'est pas grave. Clairement, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. En plus, il y a peut-être moyen de tripler parce qu'il n'y a pas les Arc-X. Bon, peut-être pas quand même. Mais là, vu le loot, on va quand même attaquer. Clairement, on va pas faire les difficiles, tu vois. On va pas se dire, ouais, mais je vais pas faire le 3 étoiles. On s'en fout. On s'en fout. Clairement. Ok. Hop, on envoie les drags comme ça. Hop, c'est quoi? Oh putain, j'ai une fée, j'avais zappé. J'ai une guérisseuse dans mon CDC, quoi. Non, ça va pas m'aider, ça. Ça va clairement pas m'aider. Par contre, j'ai été con d'attaquer de ce côté. Parce qu'il y a les souffleurs qui me soufflent. Ça, c'est un peu chiant. Tac, tac. J'ai claqué tous mes sorts de rage d'un coup. C'était la pire attaque de ma vie, je crois. Je suis vraiment trop nul, les gars. En même temps, j'ai récupéré tout l'élixir, c'est ce que je voulais. À la limite. Vous savez quoi? Hop. Ce qui serait cool, quand même, c'est de récupérer l'HDV. Ça serait sympa, peut-être que les héros vont y aller. On va voir, hop, je vais geler ici les Tesla. Let's go, let's go, let's go, let's go. On est déjà à 50%, c'est cool, ça régale, ça fait une étoile. C'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Hop, la reine qui balance la capa, déjà malheureusement très très tôt. C'est un peu dommage, hop. On n'arrivera pas à récupérer cet HDV, j'ai l'impression. On va faire qu'une étoile, c'est vraiment dommage. Ça, ça fait vraiment chier les gars, parce qu'une étoile, ça ne nous fait pas beaucoup avancer sur le... sur le pass. Donc quoique, est-ce que la reine peut récupérer l'HDV? Ça serait énorme, on y croit les amis. Est-ce que la reine récupère l'HDV ou pas? On va voir ça, ça a l'air plutôt mal. Oh yes, si c'est bon, la Tesla qui récupère. Je pensais que la Tesla touchait la reine mais non. Du coup la reine qui récupère l'HDV. Et regardez en plus ce petit dragon ici qui continue à gratter des ressources. Donc là franchement cette attaque elle est top. On a récupéré mass loot, on a récupéré les deux étoiles. Donc franchement ça fait plaisir. Franchement ça fait hyper plaisir. On se met bien les amis pour ce début d'épisode. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Oh merde, shit, j'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré, Je suis bête. Bref, c'est pas grave, tant pis. Je récupérerai le rush sur YouTube et tout, ça sera chiant à faire. Mais je le ferai pas ce soir, je le ferai demain. Là, ce soir, on va faire le montage de 2 épisodes, on va pas faire les 3. Oh, je suis deg. J'ai le démon. Bref, c'est pas grave. Ok, on enchaîne directement, on est reparti sur la M2 encore une fois. Du coup, ok, on est sur une base comme ça. Comment on va le taper lui? Encore une fois, j'ai envie de vous dire, full archer, c'est vraiment trop fort, donc on va rester comme ça. Hein. Cette compo, les amis, je l'aime bien, je la maîtrise bien, donc on va rester avec ça. Hein. Hop, 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 hop. Ok, nice. Tac, après, il va juste aller péter le double canon. Ah merde, non, ils acceptent pas encore double canon. Oh shit. Ça c'est un peu chiant. Tac, j'ai une Tesla aussi là, j'avais pas vu. Oh.
Ça va être compliqué. Ok, non, ça va, en vrai, ça devrait le faire parce que j'ai encore bon archer. Est-ce que mes archers vont arriver à péter ce double canon ici? Au pire des cas, on va pas tripler, on va faire que des étoiles. C'est pas trop grave. Écoutez, ça passe. Ok, 84, 4. Ouais, bon, ok, ça va faire que des étoiles, ça fera pas 3. Tant pis. Hop, le petit 2 étoiles qui fait aussi plaisir. Let's go. Hop, et là, du coup, on va directement enchaîner encore une fois sur le village principal. Est-ce que les troupes sont prêtes ou pas? Et les troupes ont l'air d'être prêtes. Écoutez, parfait. Il nous manque 4 secondes avant que les héros soient prêts. Donc, logiquement, ça devrait le faire. 3, 2, 1, c'est bon. Hop, on envoie ça. Et let's go, on est reparti du coup sur notre gros compte. Enfin, sur notre village principal, quoi. Ok, hop. Tac, on va attaquer du coup celui-ci pour assurer le 3 étoiles, je pense. Hop là, on est parti, let's go. Je crois que c'est notre dernière attaque en plus à faire. Si on arrive à faire 3 étoiles, on n'aura plus d'attaque à faire avec les dragons. Du coup, ça c'est top. On va pouvoir passer aux attaques au cochon. Il n'y a pas de souffleur, j'ai l'impression. Bref, on va le taper lui, du coup. Par là, ok. Tac, tac, tac. On va balancer le premier sort de rage ici. Hop là, histoire de bien faire rentrer les drags. Hop, la première TDA, la première AA qui va être détruite ici, c'est nice, c'est nickel. Ok. Hop, hop, hop. On va envoyer le deuxième sort de rage ici. Ok, et on va envoyer le troisième sort de rage ici. Et là, franchement, on est pas mal. Là, franchement, on n'est pas dégueu. Là, dès que mes dragons vont commencer à prendre cher, je vais balancer un sort de heal ici. Ok, j'aurais peut-être pas dû le mettre là. C'est peut-être pas la meilleure idée. Je sais pas, en vrai, on a le souffleur ici qui fait un peu chier, mais on s'en fout un peu. Hop, on va geler ça pour le fun, pour le YOLO, comme on dit dans le milieu. Ok, du coup, on est à 67%, 69%, 70%. Ouais, ça va perf clairement. Très clairement que ça passe. Là, il n'y a pas de souci à se faire, les amis. Hop. Ok, hop là, on envoie la petite capa de la reine. On envoie la petite capa du roi. Et là, les gars, on est bon. Boum, le petit perf. Et du coup, on termine ce défi des dragons. Et ça, c'est top. C'est nickel. Ça fait plaisir. Il y a 300 viewers? Sérieux? Je vois que 250 là sur mon truc. Ça peut s'actualiser. Hop là, du coup, le petit perf. Allez, 3, 2, 1. Ok. Ok, du coup les amis, le 3 étoiles qui est fini. Et du coup regardez, on va récupérer. Oh là là les amis, on récupère masse de points d'un coup. C'est top, ça fait plaisir. On va juste terminer ce défi là, du coup on va essayer de le terminer. Et après on va commencer maintenant à faire des attaques avec les cochons. Donc attendez, on peut enlever les dragons là qui sont en train de se faire là. Hop hop hop, après j'ai que des cochons de niveau 2. Du coup ça risque d'être assez compliqué, je vous avoue. Vraiment pas falloir attaquer des grosses bases. On va essayer de faire carrément des full cochons les gars. On perd pas de temps. Hop, on va voir si ça le fait ou pas. En vrai, full cochon, c'est peut-être pas si ouf. On va faire genre comme ça. Et on va mettre quelques sosos quand même. Style tac tac tac. Ok. Ça me semble pas dégueu. On va faire comme ça. Ouais. Comme ça. Ok. Ça peut le faire, je pense. Après, on va faire du full soin, clairement. Et un rage, ouais, ça me semble bien. Ok, on va attendre cette compo. Je sais pas du tout ce que ça va donner, aucune idée. On re-enchaîne directement sur les MDO. C'est parti, on enchaîne, les gars. Let's go, on perd pas de temps. On perd pas de temps. Hop. Clac. On a du coup nos 6 archers. On va en mettre 3 là, 3 là, 3 là et 3 là. Ok. Et là, logiquement, ça devrait le faire, les amis. Encore une fois, le perf. Franchement, le MDO 3, 4, c'est vraiment des trucs qui sont trop simples. Quand tu commences à voir les archers, regardez, hop. Et voilà, c'est bon, c'est perf. Il va y avoir une Tesla juste qui va pop quelque part. Elle est soit là, soit ici, je pense, ou soit à côté de l'HDV. On verra, mais dans tous les cas, c'est pas ça qui va me faire perdre. Clairement, il me reste encore des archers en main et tout. Donc, franchement, ça devrait le faire. Ok, on va voir ça. Où est-ce qu'elle est la Tesla? Ok, moi, je parierais là. Au milieu là, non? Ou alors il n'y a pas de Tesla, ça se trouve. À tout moment, il n'y a pas de Tesla. Ouais, bah apparemment, il n'y a pas de Tesla. Bon, bah écoutez, c'est encore plus simple du coup. Ça fait plaisir. Le petit 3 étoiles qui fait plaisir. C'est parti. Ok, let's go. Hop, du coup, on est à combien là? On est à 27. Il ne manque plus qu'un perf. On a terminé ce défi. Donc, franchement, on est archi bien. Vous savez quoi? On va le faire directement.
on perd pas de temps les amis, hop, on va gemmer juste ça, voilà, pour 5 gemmes, on peut se permettre, pour moi la MDO ça coûte pas très cher, donc on peut se permettre de gemmer, et là du coup, ah putain, base un petit peu plus chiante, mais bon, ça devrait quand même le faire, hop, 1, 2, 1, 2, hop, tac, 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 ouais, ça le fait en fait, c'est bon. Tant que j'avais peur que ce canon-là il soit chiant à atteindre, mais en fait pas du tout. Du coup, ben voilà, les amis, c'est encore perf. Il nous reste encore 5 archers en plus. Vraiment, la MDO à ce niveau-là, c'est trop simple. C'est abusé. Ok, du coup, ça fait plaise. Le petit 100% qui se termine. Et du coup, les amis, la dernière attaque de cette vidéo et de cet épisode. J'espère du coup qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. On va juste récupérer les récompenses, etc., les paliers et tout. Hop là, du coup on récupère ça. Dans le prochain épisode on va commencer à faire des attaques aux cochons. Du coup j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez suivre l'avancée de notre série les amis, vous avez juste à suivre les lives. Je suis en live, voilà, pour faire cette vidéo. En fait il faut savoir que je tourne 2-3 épisodes de cette série par live. Donc n'hésitez vraiment pas à suivre le live si vous voulez suivre la série. Bref, j'espère du coup que ce live vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et ciao les amis, à plus, bye bye.